L'appel débile de retour sur TSO Radio, 19h-21h pour le Soir Tard Show avec une équipe de fous. Oui, oui. Je vous ai pas niqué encore. Bon, c'est le début, je démarre. Non, non. Oh, c'est ça, c'est le kick qui passe. Je peux toujours pas. Alors, j'imagine que le dossier médical en plus, il est très très long parce que les émissions durent 15 jours. Donc... D'ailleurs, nous recevrons Michel Simès la semaine prochaine pour le dossier médical. Oh ouais, je veux bien, j'ai 2-3 questions à lui poser. Ouais. Pourquoi quand je fais pipi, je me tords en 5? Enfin bon, ouais. Et que je fais ça en 6G. Tu peux nous en dire plus? Non, ça va beaucoup mieux. Voilà, je viens vous le dire. Ça va beaucoup mieux, mais c'est pas encore ça. Rendez-vous demain. J'ai rendez-vous. Alors, donc là, on est lundi. Hein, c'est ça. J'ai rendez-vous jeudi avant l'émission. Donc on en parlera. Donc jeudi, on en parle. Hein. On en parle. Ouais. Jeudi. On jeudi. Retient. Jeudi. Alors l'appel débile. On va aller voir les cocus. Est-ce que mon comment? Putain merde. En vrai, on va aller voir. Oui. Mon assistant. On va aller voir les cocus. Alors du coup, c'est Stéphane qui va voir les cocus. Ouais. Tu peux prendre le dossier des cocus, mon ami Kevin. Le dossier des cocus. Il y a le dossier médical, mais il y a aussi le dossier des cocus. Mais dis donc, c'est très bien préparé cette émission. Il est déjà sorti. Les cocus, où j'ai mis mon. Ah, la page était collée, j'ai dû me branler. Alors, les cocus. Ça sera André. André Cocu ? Oui. C'est parti pour André Cocu. Stéphane, ouais. Pour le André Cocu, oui. Tu vas devoir. Lui demander, en gros le but c'est de savoir si ça va, faut parler un petit peu avec lui, ouais. Sauf que je te mets un petit truc en plus, enfin je te le mets, hein. C'est que tu auras pendant la conversation le syndrome de Gilles de la Tourette. Je sais que t'as déjà beaucoup de syndromes, mais là, tu vois ce que c'est? Voilà. Cocu. Quelqu'un a des imitations de Gilles de la Tourette pour Stéphane? On est vraiment dans la thérapie aujourd'hui, putain. Oui, bonjour madame. J'aurais pu te composer le numéro. Et je te rappelle qu'il faudrait que tu attendes. On n'a pas le choix que de la faire celle-là parce que. Ça faisait longtemps ça. Attention. Et là tu dois me faire le doigt comme ça là. Allez, balance ton doigt. Voilà, on va appeler les cocus. Tu me dis quand ça fait un. Balance ton doigt. Balance ta phalange. Ça sonne. Est-ce que André Cocu. Bah, tu lui parles avec lui. Il est toujours. Ok. Dis comment ça va, André? Oh, je crois qu'on va encore faire un beat. Oh putain, la séquence de merde. Parfait, toi. Bon. Comment est-ce que tu fais de sonnerie, là? Sac sonnerie, bout de sac sonnerie, arrête, ça va payer. Ouais, bon. Non, mais c'est parce qu'ils sont en train d'écouter TSO Radio, de faire un peu. Exactement. Pourtant, j'appelle les cocus du 62. Hop, pour raccrocher. Faut appeler un autre cocu. Bon, on va appeler un autre cocu, du coup. En 62, ils sont pas cocus, ils font tous ceux. Ce sera Jérémy. Ouais, c'est vrai, putain. Ce sera Jérémy. On dit, dans le Nord, les consanguins. Regarde plutôt un nom de vieux, parce que Jérémy, je pense qu'il dort à ce heure-là. Jean-Claude? Ouais, on reste Jean-Claude Cocu. André, Jean-Claude, Bernard. J'espère que personne ne s'appelle Jean-Claude, parce que du coup. Ah, on entend le tit 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 à l'ancienne. On aurait eu un téléphone à cadran, ça serait mieux encore. Alors, Jean-Claude Cocu du 62, que nous allons essayer de faire. Et sinon, si t'as une bonne vieille Jean-Claudette, un truc comme ça, non? Après, hein, on va quand même essayer Jean-Claude. Hein. J'adore faire des séquences sur des. Tit tit. On fait quoi? Ah, ça sonne. Allez. Ah, Jean-Claude. Jolabi, ma chérie. On répond, bordel. Allez, Jean-Claude, hein. Et on croit en toi, Jean-Claude. À chaque fois que... Non, mais il est peut-être en train de tromper sa femme. J'adore. J'adore cette rubrique. Cette rubrique, à chaque fois, elle est magnifique. J'ai l'impression qu'à chaque fois, la pelle. Regarde une bonne vieille, hein, pour la suite, s'il te plaît. Une bonne vieille. Une bonne vieille cocu. Bienvenue sur la bonne vieille. Une bonne vieille cocu, ce serait pas mal. Bonne vieille... On va Jacqueline, rappeler Germaine Labitte au pire. Jacqueline. Allez, c'est parti pour Jacqueline Cocu. Germaine, t'as dit ça, Germaine Labitte, ça va. Non, mais il est 19h40, à un moment donné, je pense qu'il mange. Il est en train de manger, lui. J'espère qu'il y en a au moins une qui va nous répondre. Et regarde, n'oubliez pas les paroles. Ghost Rocky. Comme les vieux, ils mangent à 18h, on aura peut-être de la chance. Bah, là, c'est le 19-20 sur France 3. Là. Ah oui, d'attaque, ils sont partis coucher. Oh, déjà, ça fait un peu tôt, c'est bon. Allez. Dernier essai parce que. Oh non, bah regarde, tu n'as pas une Marcel. Jacqueline. Allô? Hop. Alors, tout s'est fait. Allez, Jacqueline. Jacqueline. Voilà, une belle séquence. Ah, puis on entend monsieur. On entend ton secrétaire qui tonne. Oui? Allô? Oui? Ça va. Allô?
Allô. Ah, allô. Bon, d'accord. Ça avait répondu, bordel. Oh là là. Jacqueline, elle avait... Oh, merde, alors. C'est peut-être parce que je parlais, non? Rappelle Jacqueline. L'attaque. L'attaque en magasin. Comment? Myriam. Oh, bon. Myriam, c'est quoi? 55 ans. Allez, on fait... Allez. Sinon, Catherine. Non, trop jeune. Roland. Roland. Oh, Roland, ça s'appelle. Oh, Roland, ça me donne envie, ouais. Allez, Roland. Ça te donne envie. Oh, ouais. Roland Cocu. On s'excuse quand même auprès des cocus. Oui. Bah, si je peux me permettre. C'est pour rigoler. On s'excuse auprès des cocus du 62. Dans ma classe. Avec des cocus. Elle s'appelait Julie. On t'en connaît une paire de cocus. Non, elle s'appelait vraiment comme ça, Julie Cocu. T'as son numéro. Bonjour, toi. Bonjour. Madame Cocu. Allez, Roland. Roland. Roland, c'était champion. Réponds. À ton téléphone. Eh ben. Les cocus. Bon, je l'avais prévu, hein, que ça allait encore se passer. Heureusement, on a bien su. Bah, les cocus, vous les répondez pas. Non, on peut pas tout faire. Merci pour cette magnifique rubrique. Merci à vous de nous suivre. Non. Allô. Allô. Oui. Allô, monsieur Cocu. Oui. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va. Bah, excusez-moi, j'ai le syndrome de Gilles de la Tourette, hein. Je voulais juste. Et sinon, vous faites quoi actuellement? C'est pour un sondage. Ouais. C'est pour un sondage. Ah ouais, bah non, moi je réponds pas à tout ça. Non. Ah bah, si, c'est ah c'est très court. Allez, au revoir, merci. Mais tu... Non, stop. Allez, écoutez, quand même. Il vient de rapprocher seulement. Bon, bah. C'est dommage. Il on s'excuse auprès des gens qui ont le syndrome de Jules de la Tourette. Non, on se moque pas. Non, mais t'aurais pu varier les plaisirs quand même. Tu fais la poule, genre. Genre, on lui met un toucher avec ta la chambre. T'aurais pu dire, c'est de la poule, c'est de la poule, tu sais, ah, ce sera plus cool. Ça me fait penser à un sketch des... Bon, on en a eu un, c'est bien. Ouais, c'est on en a eu un. Très très belle imitation de la poule, merci Vincent. Il est champion de France de la poule. Du cri de la poule. Le mec, il est multicasquette. Il fait la poule. Pardon, je suis resté dans le rôle. On remercie quand même monsieur Cocu. Non, merci à Roland, merci Roland. Roland Cocu qui... Cocu, pardon. Tout s'en mêle dans ma tête. On la refera celle-là. On la refera parce que. Ah oui, après, il faut appeler quand même un annuaire complet pour avoir quelqu'un, mais bon. C'est pour un sondage. Oh bah non, je réponds pas à ça. Connard, tu viens de répondre. Fallait pas répondre avant, c'était privé. Enfin. Merci beaucoup pour ces. Merci beaucoup. Et la suite de l'émission sur TSO Radio. Donc un billet d'humeur. C'est un spécial être en couple. Ça, vous sachez que je ne vais viser personne ici. Hein? Bon, voilà. Sébastien, t'écouteras bien quand même. On fera des perles et un devine ce que je dis avec des choses dans la bouche. Oula. Sébastien, tu seras la chose et les bouches, on les trouvera après. Oh, j'ai encore mal tapé. Tu viens de taper moi ou... Il intervient pas beaucoup, mais quand il intervient. Hein, aujourd'hui, il est en forme. Hein. Une parole, boum, une blague. Voilà, une parole à mort. Enfin, une blague à mort. On l'appelle le sniper. Le sniper. Catalogué, coupable à chaque fois. Pendant j'avais envie. On l'appelle le Laurent Baffi de TSO. Le Laurent. T'as un peu de potion dans ton dans ta liste. Ouais. Lèche-le. Arrête de cracher. Mais non, je l'ai pas niché. Je rappelle bien sûr que nous avons des petites visières pour nous protéger contre le Covid-19. Tu nous les fais. Oui, je vous les fais bouger. Et ben voilà, bah allez, on met le multicam et puis regardez, nous bougeons nos petites visières. Et pour ma part, je suis négatif PCR. Hein, je l'ai fait hier. Voilà. Moi pareil. Voilà. Ah bah nickel. Tant mieux. C'est bien. Dossier médical. C'est une magnifique séquence. Je vais le faire vacciner. Il passe sa vie chez le médecin lui. Oui. Qui s'est fait vacciner ici Moi je suis vacciné. Tu es vaccin? Je suis vacciné. Ouais, c'est moi le vaccin. T'es vacciné? Bientôt. Bientôt. Ah, je pensais que t'étais prioritaire. Bah même pas. Non, non. Ah bah ça marche pas leurs histoires de pathologie en fait. Non, normalement on y est mais. Ouais, normalement on y est mais on est trop jeune. Que moi je suis vacciné juste parce que je tiens un bureau de vote. C'est-à-dire que bon, bah, ouais, c'est la France, hein. D'accord. Allez, bisous, on se retrouve. On se retrouve, ouais. Oh, allez, magnifique. Ah bah, ça faisait longtemps. J'ai perdu mon masque. A tout de suite sur TSO Radio. J'ai perdu mon masque. Non, il a pas envie. Tout de suite sur TSO.
TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.